Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau match de la MST. On retrouve les chauves qui sourient pour ce match. Suite à notre dernière défaite, il nous reste 2 vies, et aujourd'hui on affronte Gabineuf, qui a également perdu son dernier match, hein, et qui a bien souffert. Donc grâce à Magix qu'il a affronté, on se retrouve face à une équipe qui n'est pas expérimentée comme nous, et qu'en plus il lui manque un revenant et une ghoule. Donc c'est plutôt cool. Par contre, du coup, il va avoir, je pense, de l'inducement, donc nous, on n'en a pas. Donc ouais, il a deux journaliers et 50k, ok, bon, ça va, il va pouvoir se prendre une serveuse. Et il va avoir des squelettes pour compenser son revenant et sa goule, autant dire que c'est pas ouf. Des squelettes ou des zombies, je sais même pas quel est le 3 quarts des... On va voir. Quel est le 3 quarts des morts-vivants? Est-ce que c'est le squelette? Est-ce que c'est le zombie? Donc du coup on va voir un petit peu ce que nous réservent les jets sur ce match, notamment la soif de sang. Hein. On va prendre l'attaque bien sûr. Donc je rappelle hein, les règles de la MST. On joue un match sans événement d'engagement, donc pas de blitz, de défense parfaite, de trucs du genre. Avec prolongation, il faut un vainqueur absolument. Et celui qui gagne doit sacrifier son MVP, tout simplement. Donc si on gagne, on devra éventuellement sacrifier notre MVP, sauf si on choisit de sacrifier deux serviteurs à la place. Puisqu'on est des vampires, si on a deux serviteurs à sacrifier. Mais à moins qu'on se fasse vraiment massacrer, ça devrait aller. En plus on a un remplaçant. On avait la possibilité avec les vampires de hypnotiser un membre de l'équipe adverse, c'est-à-dire sacrifier un vampire en échange de forcer l'adversaire à sacrifier quelqu'un. Je me suis tâté à faire sacrifier son dernier revenant. Mais bon, ça s'est retrouvé avec un vampire à 110k de moins contre un revenant à 90k, c'était quand même pas rentable, j'avais pas de quoi de le racheter tout de suite, donc ça me paraissait franchement pas intéressant, sachant qu'il en a déjà plus qu'un et qu'il a plus qu'une seule goule. On est quand même déjà pas mal quoi. Alors les solitaires, c'est des squelettes, ok, donc c'est des squelettes les trois quarts morts vivants. Alors, cette attaque est un peu brutale, mais à la rigueur j'ai envie de dire pourquoi pas, ça a combien de force ce truc 5 hein. Étant donné qu'il n'y a pas de blitz ou quoi que ce soit, on va prendre cette attaque, on va voir un peu ce que ça donne. Un truc bien en masse pour défoncer au centre. Et la balle ne sort pas, ok, elle est à portée, ouais, elle est juste à portée, donc on s'en occupera après. On n'a personne qui a de bloc, hein, donc c'est pour ça que ce placement est aussi pas inintéressant. On va donc commencer direct à tataner un peu. Ok, ça ne donne rien, on poursuit. Ici on va essayer de prendre un éventuel extra bloc, d'accord, on crame une relance. Ça commence bien. Hop, sur un solitaire en plus ça fait chier pour taper un solitaire, mais bon, c'est pas grave. Alors l'idée ce serait de pouvoir blitzer son revenant. Si on peut se débarrasser de son revenant, ce serait quand même vachement cool. C'est parti. Ok, ça repousse, c'est pas grave. On va rester. On va aller se placer. Ah, si je me place là-bas, ouais. On va juste reculer un petit peu pour empêcher que éventuellement lui puisse nous blitzer trop facilement. Ensuite, on va essayer de cerner un petit peu avec nos serviteurs. Voilà. Là on va mettre un serviteur en renfort, et là j'ai complètement oublié de mettre un serviteur à notre ramasseur. On va essayer de ramasser en espérant qu'il fasse pas une soif de sang, c'est bon. Donc on va rester là, c'est pas la peine de faire des trucs, par contre on va se rapprocher avec un serviteur également. Et je pense qu'on va rester dans le coin là pour
pour compenser un éventuel blitz de momie qui voudrait faire un trou. De toute façon, on est sur du mort-vivant, hein. Ils ont une stabilité assez faible, pire que la nôtre encore. On a 6, ils ont 5. Donc ça devrait aller. Il va devoir commit quelques personnes s'il veut faire des 2D, c'est le but. Donc ces squelettes ont bien résisté au coup, on verra si les nôtres, si nos serviteurs à 7 d'armure font de même. Il ne reste plus que 2 vies, hein, donc ce serait bien qu'on gagne si on peut. Bon après il lui reste plus que 2 vies non plus, donc il a la même pression bien sûr. Il a une relance de plus que nous en plus, et il a le nécromant là. Ok, premier bloc qui passe. Par contre l'armure tient, c'est cool. Ok, les blitz du vampire. Double crâne. On a déjà une relance. Et... ouf. Ça pique. Ça châtaigne ce truc, ouais, ça châtaigne ce truc. Bon, on va pas se relever tout de suite parce que c'est un vampire. Donc on va attendre éventuellement de faire des actions un peu plus critiques, comme par exemple avancer là. Commencer par avancer là. Alors ok, donc déjà on fait une soif de sang, on va pas la relancer, hein. C'est pour ça qu'on a mis un serviteur là. C'était un petit peu l'objectif. Donc mordre. Hop, voilà. Ouf, une blessure, fait chier. Une commotion. On laisse tomber pour l'instant. Alors du coup. Du coup, pour l'instant ça va. Donc ici il va falloir qu'on se relève. On va se relever. La soif de sang passe, c'est un 2+, nickel. Du coup on peut prendre un bloc là. On va le prendre. Ça passe. On va essayer de prendre tous les blocs qu'on peut hein, sur des sets d'armure. Ici on n'a qu'un seul de mouvement. J'aimerais bien mettre un support mais malheureusement je vais devoir garder quelqu'un démarqué pour gérer le vampire si besoin. Donc on va reculer lui. Tant pis, on est un petit peu faible au milieu mais c'est pas trop grave. Ici du coup on peut taper ou avec lui. Mais je préférerais taper avec lui pour pouvoir... Oh putain. Ah c'est la teuf des crânes hein. Et bon du coup on avance un petit chouïa, on casse l'armure, parfait. C'est une sonnette, bon c'est pas mal. Ici on tape également. On essaye de casser un peu les armures de laminé si on peut hein. Et ici bah on est à portée de personne là hein. Non on est à portée de personne. Donc on va de nouveau tenter de casser son revenant si on peut. Oh putain. Oh la vache quoi. Bon on est tour 2, on a craqué nos deux relances sur des doubles crânes et on arrive encore à en faire quoi. Je sens que ça va être épique cette histoire. Bon, tant qu'il en fait aussi, ça va, hein, mais ça va être la violence quand même. Bon, c'est pour ça que ce vampire-là est infiltré, entre guillemets, un Nihilac, donc il peut quand même faire des trucs, même s'il faut pas qu'il rate une soif de sang, quoi. Ok, ça repousse, parfait. Est-ce qu'il poursuit, je pense, hein, il va vouloir me mettre dehors à mon avis. On a deux vampires sur ce côté là, il y a une momie mais on devrait pouvoir éventuellement la gérer ou s'esquiver.
Là, je pense qu'une petite passe à celui-là serait tout à fait envisageable. On verra comment ça se passe à la fin de de ce tour-là, mais. Ok, un pot. Attention, pot avec châtaigne sur un vampire. Ça va, il poursuit pas. Ok. Ah, bah oui, pour avoir un support là, faut pas qu'il poursuive, effectivement. Du coup, il va tomber là, et après, il va tomber là. Ok, ça tombe. Et donc il a un genre de trou s'il veut essayer de s'infiltrer, mais bon, il ira pas très très loin. Hein. Ouais, il préfère reculer. C'est plutôt sain. Là, la goule est hors de portée d'un blitz, malheureusement. Là, lui est en danger, hein, mais quelque part, il occupe quand même deux personnes, donc c'est pas forcément un mal de le laisser là. Hein. Donc là, on relève les serviteurs. Ensuite, avec lui, on peut aller jusque là. Alors, jusqu'ici, on pourra tenter une passe qui doit être du 2+, 2+. Ouais. Donc ça se ferait. Après, on n'est pas non plus pressé. Qu'est-ce qu'il ferait une fois qu'il aurait la balle, lui? Il serait collé à là, il pourrait aller par ici, mais j'ai personne pour le protéger. Ouais, non, c'est pas forcément oufissime comme idée. Hein. On va plutôt aller par là. Donc on va bouger. Alors on va aller ici. Donc on va bouger un serviteur là. Voilà. Pour empêcher un contournement éventuel à la momie. Ouais, parfait, la souffle de sang qui passe, c'est nickel. Donc ici c'est mort. Au niveau bloc, on l'a dans l'os. Ici j'ai bien envie de le relever pour blinder un peu. Ouais, ça passe. Donc on va sûrement se reprendre un coup, mais si je laisse le serviteur tout seul, il va tomber et la balle sera un petit peu trop en danger derrière. Ici, on va aller par ici. Quoique, non, je vais mettre un support là. De toute façon, il fera pas le tour avec son mec là. Hein. Et on va tenter ici de taper, du coup. Ok, ça repousse. On va éloigner de la balle et poursuivre. Donc lui, il fera rien de particulier. Lui, s'il veut faire le grand tour, il peut même pas. Je suis juste en dehors de sa zone. Ou alors il faudra qu'il fasse des esquives bizarres. Pareil pour la goule, c'est pas trop mal. Donc il reste celui-là. J'ai pas blitzé, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenter de blitzer là. Hein. On va essayer de soutenir un peu lui, du coup, au final. Ok, ça tombe. Cool. On poursuit. On y refoutre un peu le boxon. Et là, on tape. Ça tombe. On va envoyer par ici. Et on poursuit. Et l'armure qui passe. Et c'est juste une sonnette. Bon, toujours ça de pris. Et donc là, il nous reste un bloc à faire, mais qui ne sert à rien. On va pas faire un dé contre un solitaire. Si celui-là tombe, ça va foutre la merde. Je préfère qu'il soit debout. Et qu'en face, il fasse des jets. Donc normalement, il devrait se replacer plus ou moins en défense, je pense. On verra ça. Mais avec ce qu'il a pour défendre, on n'aura aucun mal à enfoncer avec des vampires. Bon, il faudra des serviteurs pour les soifs de sang, mais. Les vampires devraient largement faire le taf, je pense. Alors, ok, ici, ça pousse. Là, ça pousse, parfait. Donc ici, il s'est relevé, il va avoir donc droit à une tatane gratuite. Finalement, il a amené sa goule là, hein. Il veut pas tout à fait défendre. Bon, après, c'est vrai qu'avec 6 de mouvement, je vais que ici. Hein. C'est pas vraiment fifou non plus. Hein. Il me faut. Est-ce qu'en 2 tours, je peux marquer là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, même, il faudra 3 tours. Si je veux pas faire de GFI, il me faudra 3 tours. Ah, une relance ici, ça tombe.
Les momies, effectivement, cette momie a l'air de... Ou je sais plus si c'était l'autre. Ah, bordel, une blessure. Une commotion, on passe. Ah, ça va être compliqué s'ils nous mettent trop en sous-nombre, surtout en termes de serviteurs. Enfin, en termes de vampires aussi, vous me direz. Hein. Ok, ici ça tient. Là, du coup, il a 2D, encore un pot. Waouh. Vache. Magique la moustache qui prend une tatane, mais qui survit. Et ici, ça repousse, ok. On va peut-être prendre les deux au sol. Il prend les deux au sol, d'accord. Ouais, c'est un solitaire, hein, ça peut se valoir. Ouais. Il avait plus rien à faire, donc... C'est vrai que débarrasser d'un serviteur, ça peut être intéressant. Ok, alors ici, il faudrait qu'on commence par avancer. On y va, on avance. On va se servir de ceux qui sont là pour nettoyer. Alors ici je pourrais blitzer là, mais c'est pas très intéressant. Faudrait que je tape là. Ah, j'ai qu'un dé à cause de lui. Ici pareil, j'ai qu'un dé. Alors je vais relever lui. Il faudrait qu'il esquive lui. Ah merde, j'aurais dû... Ah non, c'est bien, j'ai merdé. J'aurais dû bouger le serviteur avant et esquiver. Ouais. Ah, parce que du coup, c'est un peu de la merde ça. Il y a une esquive à 4+ gratuite là, ça fait un peu chier. Tant pis, hein, on va assumer nos erreurs, on va les faire. Voilà. C'est un peu chiant, mais bon. Faut ce qu'il faut. Ici on met un paquet. Oh merde, putain. Oh puis la blessure en plus quoi. Oh la vache. Là on va payer l'apothicaire. Pas de blessure. Aïe. Ça picote un peu. Ça picote clairement un peu. Bon, notre vampire est isolé, mais bon, ça reste un vampire. Hein. Il faut le faire tomber. Ici c'est dommage, on aurait pu faire des blocs aussi, mais bon. Tant pis. C'est comme ça. On est parti pour faire quelques 1 sur cette sur ce match, j'ai l'impression. Ok, premier bloc qui... Ah, il prend les deux au sol. Il y avait un repoussé là, non? Pourquoi ce choix? J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Honnêtement, j'ai pas compris là. Enfin, bon, pourquoi pas. Du coup, je vais mettre un serviteur là au cas où je fais soif de sang, je resterai sur place, mais on va quand même essayer d'avancer. Ok, ça passe. Est-ce que je tente un GFI? Le GFI c'est quand même assez mal passé, qu'est-ce qu'il pourrait faire là? Il pourrait venir tout seul avec sa goule à 2 dés rouges. Ça va, c'est pas fifou. On va plutôt tenter de mettre des petites fessées. Ok, ici on tape. On poursuit. Donc ici du coup on a 2 dés là, donc il faudrait qu'on arrive à faire tomber lui. La soif de sang, ok, très bien, pas de soucis, bah écoute, tape quand même. Hop, tombe. On va le mettre devant la goule et se rapprocher, comme ça au moins. Vas-y, mord ton coéquipier. Bon, nos gourdes ont bien souffert hein, pour l'instant. Ok, bah du coup, il y a lui qui est un peu tout seul pour tenir, mais bon, bah tant pis, hein. Là au moins, ça fout un petit peu le bordel sur la goule. Enfin, vite fait, hein, elle passera par ici ou de passer par là. Ici on est en sous-nombre, ici on a qu'un dé. Et ici on est en sous-nombre. Ok. Alors honnêtement, j'ai pas compris ce move là. Je sais pas pourquoi il a pris les deux au sol. Parce que de toute façon il me repoussait, je tombais. Peut-être qu'il a cru que j'avais esquive ou je sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais bon, ça m'arrange donc tant mieux hein.
Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de me mettre une esquive dans les pattes ou un truc du genre? Ou tenter peut-être un blitz de la dernière chance à deux des rouges, hein? Ça peut se tenter, hein. Je pense que ce qu'il va essayer de faire, c'est taper sur mes vampires. Là, il faudrait qu'il se débarrasse de lui, qu'il mette de la force sur le vampire. Faut pas qu'il tape avec celui-là par contre. Ou qu'il blitz à la momie peut-être. S'il arrive à me dégager, il peut blitz à la momie, il a la portée là. Trois cases, ça passe. Il peut faire ça. Ouais, ça c'était risqué parce que c'était presque tentant de faire une esquive à deux plus pour le charger de face et le sortir quoi. Aïe aïe aïe. Ok. Ça tombe. Une sonnette, ok. Alors je rappelle que les vampires peuvent tout à fait boire les mecs qui sont par terre, hein, donc voilà, donc il blitz avec sa châtaigne sur le vampire, comme on pouvait s'y attendre. C'est à 9 d'armure ces trucs, hein. Avec mes vampires je pourrais réussir à taper dessus en mettant du support, mais 9 d'armure, c'est chiant quoi. Ouais, là il prend le pot, ok, on est d'accord, il prend pas les deux au sol cette fois. Allez, résiste, papillote. Ah, petit lag. Merde. Ok, 3 sonnets. Bon, c'est chiant, mais ça va. Et là, il va tenter un paquet. Il a plus de relance, ça peut rater. Et oui. Parfait. Donc là, du coup, on a le choix entre esquiver à 2+ ou tenter un blitz. Je pense que je vais tenter le blitz. Oh! Ah putain! Ah la vache! Bah voilà, bah cela dit, j'ai fait quoi? J'ai fait crâner, donc j'aurais fait un 1 de toute façon sur mon esquive. Ah, quoique, non, il y aurait eu la soif de sang, donc j'aurais réussi la soif de sang et j'aurais fait un 1 pour commencer, donc crâne. Oh là là, ça fait mal ça. Hein. Putain. En plus, j'aurais au moins pu passer l'armure de la goule, quoi. Ouais, et puis il y a la moyen de ramasser puis de partir assez loin quand même. Hein. J'ai aucun serviteur en renfort, donc tant que la soif de sang proc pas, ça va, mais ça peut vite partir en sucette. Hein. Ok, donc là il se relève. Après, s'il rate son ramassage et que ça tombe dehors, c'est pareil, hein, ça peut tomber n'importe où. C'est de la merde cette histoire. Ah, il la chope, ok. Oh là là, je peux amener aucun renfort quoi. Ah, c'est la tristesse, ces jets de dés là. La quantité de crâne qu'on a fait. Putain. La 2D, du pour. Oh là là. Putain. Ouais, j'avais pas vu, mais il a mis dans les commentaires que c'était un misclick son choix du dos au sol là. Ah, il a du coup. Non, il a quand même pas assez de force pour taper. Enfin, il peut faire un bloc à 1D avec bloc, hein, ça se fait. Hein. Ouais, bah, même pas besoin. Oh la vache! Putain. Il va falloir que je fasse tomber une goule qui a esquive à 1D. Pouah. Ouais, parce que là, de toute façon, là, j'ai rien. Hein. Même lui, avec tous ses jets, c'est du 4+, 3+, 4+. Non, il va falloir que je tente ça. Oh putain.
Oh. Sérieux. Bon, il régénère. Ouais, bah la contre-attaque va être difficile, hein. Bon, il va avoir du mal à marquer en deux tours, mais putain, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Alors, je me suis pas relevé parce que je faisais des jets de soif de sang où mes serviteurs allaient se prendre des tatanes pour que dalle, donc ça me paraissait pas intéressant. Mais, c'est tendu, hein. Heureusement qu'il y a la régénération, hein. La vache. 12 sur la blessure, ils sont là tous les 6 là, hein. C'est quoi tous ces 6 quoi, putain. Ah, il va courir avec sa goule, mais il pourra pas, faut qu'il fasse une passe. Hein. Ouais, une passe au revenant. Ouais, avec tout ce que j'ai raté, il peut rater ça quand même. Ok, le paquet qui marche. Qu'il fasse encore un paquet si vous ne passez clair. Ok, ça marche. 3 plus 3 plus. Non, passe parfaite. Réception. Oh putain. Oh mais sans déconner quoi. J'y crois pas. Oh mais les paquets. Oh là là. Bon d'accord. Ce match sera salé ou ne sera pas, je crois. Ouais, franchement, vous allez pas me dire que c'était abusé ce mouvement, quoi. Il fallait qu'il le fasse, hein, je dis pas, mais il a tout réussi sans une seule relance. Alors moi, j'ai fait un blitz, je me prends un crâne, je meurs. C'est quand même la violence. Bon, ceux-là, ils serviront plus à rien, ils vont immobiliser ces joueurs. Il va falloir tout jouer avec ceux-là, là. Donc ici, on va se relever. Pas le choix. Oh, je peux même pas blitzer quoi. Pff. Tant pis, on va blitzer là. Mais de toute façon, ça a 6 de mouvement ce truc là. Ouais, donc je le rattraperai jamais de toute façon. Allez, on va faire deux paquets. Hop, voilà, de toute façon, on peut rien faire de plus. Oh là là, c'est abusé quoi. Putain, il y a intérêt que la deuxième mi-temps me gride pas comme ça, hein, parce que franchement là, entre les blessures, En défense. Bon, bah on va foutre des mecs devant. Hein. Hop, oh, putain, j'ai même plus assez de serviteurs pour compenser quoi. Faut que j'expose les vampires et que je protège les serviteurs quoi. Putain, il a pas une blessure. Hein. Pourtant, ce squelette, c'est que des 7 d'armure. Hein. Et je les ai quand même bien tapés. Il n'y en a pas un qui s'est blessé, quoi. Derrière, moi, je me tue sur des 8 d'armure moi-même, quoi. What the fuck, j'ai envie de dire. Alors les solitaires sur les ailes, ok, pourquoi pas. Ouais bon, on va tirer là, hein. Pas de subtilité.
là on va se prendre des tatanes sur nos 7 d'armure avec châtaigne, ça passe. Allez, faut que vous teniez les gars là. Oh putain. Sans déconner. Bon bah Féa, voilà, Féa, tu fais ton retour. Tu fais ton retour du coup de ce côté là. Allez, un petit pot. Bon, bah. Deux armures sur trois qui tiennent, c'est déjà ça. Ouais, même avec notre surplus de force, ça va être compliqué. Hein. Ouais, on est même à blitzer des vampires, quoi. Et ça passe. Boum. Ah puis on est tellement isolé sans mec pour nous aider. Faut qu'il rate ce ramassage, allez. Ok, relance. Il relance pas. Ok, très bien. Bon, en même temps je suis loin. Hein. Bien. Je peux aller jusque là avec un paquet. Par contre niveau soif de sang c'est un peu la merde. Hein. On va commencer par... on va y aller agressif, hein. Allons-y, hop. Pas là pour s'emmerder. Ok, la soif de sang passe, on va tenter le petit paquet qui passe aussi. Parfait, donc on se colle à elle au moins pour faire un peu chier. Ensuite, ici, il faut qu'on se relève. Et je pense qu'on va rester là pour défendre. Ici, bon bah on va tenir comme on peut. Je pourrais enlever un peu de pression en blitzant par là. On va le faire. Ok, ça tombe. On reste. Et on va se replacer par ici. Et ici, est-ce que je tente d'aller foutre un peu la merde? Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors j'engage un peu du monde, mais en même temps, bien obligé. Hein. Si je veux qu'il ait pas trop de personnes à aller ramener là pour taper sur mon vampire. Hein. Ok, il annule les supports, donc il va pouvoir blitzer là à 2D. Eh ouais, t'es obligé de passer sur la balle si tu veux faire le tour. En même temps, là, je vois pas ce qui le dérange, il me repousse par là, au pire, et puis ça le fait, quoi. Enfin, en tout cas, ça me paraît suffisant. D'accord, il préfère prendre l'extra bloc avec la goule. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ah bah ça passe, donc il avait raison. Oh là là! Oh mais sans déconner quoi! C'est surréaliste cette goule quoi! De son côté, ses squelettes, pas de problème, hein. Pas de stress, on s'en fout, on tape, rien à foutre. Ah, ça passe pas pour une fois. Est-ce qu'il poursuit? Non, il reste là. Bon.
commencer par ce qui est à peu près safe, c'est-à-dire ça, théoriquement. Ok. On va rester. Ah, peut-être une blessure quand même. Non, une sonnette. Pas de stress. On pourrait blitzer là, on va le faire. Ok, ça tombe. On reste. Puis on se replace. Alors là, il y a un cadavre qui gêne, donc on va en profiter pour se mettre un peu plus derrière. Enfin, quoique non, attends, je peux mettre là et donner du soutien ici, je suis con. Ici, on va mettre un mec pour aider en cas de besoin pour pouvoir gérer la soif de sang. Très très bien, on va repousser par là et poursuivre. Et ici on a un bloc à faire, un pot. On va rester. Et les armures ça veut pas, hein. Putain. 7 d'armure squelette une fois de plus qui sont en titane. Alors que nous on est en carton. Ok, Dripek qui tanque un peu. Ça aurait presque valu le coup que j'esquive avec lui pour aller me foutre sur la balle, tiens. Mais bon, on va dire que c'est pas très grave. Ici, il garde son machin pour blitzer sur le vampire. Ça repousse. Ah, ça rate, est-ce qu'il relance cette fois? Oui, il relance cette fois. Oh, ça, ça laisse des possibilités là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer quand même, j'espère. Et qu'il ferme ici et qu'il recule un peu là. Bon, après, elle a un boulevard, hein. Devant, il n'y a aucune défense, il n'y a que dalle, tout le monde est par terre. Alors, quelles sont nos possibilités? On pourrait hypnotiser avec un et blitzer avec un autre vampire derrière. Ça peut se tenter. Si les soifs de sang se passent bien, on va tenter. Ok, donc là du coup, on peut blitzer là. Un seul dé parce qu'il y a lui qui fout la merde. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on vienne se mettre par ici. Alors la soif de sang, on passe. Voilà, je le sentais. Comme ça, on peut relancer l'esquive. Ouais bon, on va prendre les deux au sol, hein. Ça fait chier mais... Ok, elle est sonnée, et du coup, soif de sang, il va sortir malheureusement. Donc on perd un joueur, pas lui. Mais au moins il a plus la balle. L'échange n'est pas fifou, je vous l'accorde, hein. Oh là là, mais ils sont où mes pots à moi quoi? Pff, putain.
Sans déconner. Allez, un KO, parce que sinon c'est pas drôle. Donc là il va tomber, là il a de quoi taper à 2D aussi, pas tout à fait. Il a personne pour ramasser la balle, mais limite il s'en fout, il peut très bien attendre quoi, c'est ça qui est triste quoi. Il peut complètement se permettre de rien faire et d'attendre tranquillement que sa goule revienne. Oh là là, mais il crame pas une relance quoi! Ah, est-ce qu'il sort notre dernier vampire? Et il sonne notre dernier vampire, ok, très bien. Donc on ne joue plus qu'avec des serviteurs. Enfin, encore, hein, le tour n'est pas fini, on peut ne plus avoir de serviteurs. Oh putain! Bon, vous savez que j'aime pas abandonner, mais il y a un moment où bah faut savoir aussi ménager son équipe. Hein. Là, franchement, c'est un peu le drame. Hein. Bordel. Un bloc qui ne fait pas un pot. Ça déconne plus. Du coup, il aura pas de dé pour son dernier. Ah, il tente le ramassage au squelette, carrément. Oh, t'es pas pressé, hein. Tu peux complètement attendre deux tours, hein. Franchement. Tu gagnes. Bon, il veut peut-être faire pec ses squelettes, hein, mais... Oh, ça passe quoi! C'est énorme! Sincèrement, c'est énorme quoi, ça a aucun sens le truc. Bon bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je pourrais blitzer là un dé, on le fera. Avant, on va se mettre ici pour avoir des 2 dés. Faut qu'on arrive à sortir du putain de squelette quoi. Allez, c'est que de la sonnette quoi, c'est ouf! Moi je crame tous mes 6 sur les jets de blessures en me butant moi-même et Oh là là. C'est dramatique. Franchement c'est dramatique. Bon bah du coup on va devoir faire ça, on a aucune relance. Allez go. De toute façon on peut rien faire d'autre. Ouh on repousse. Ça déconne plus. Bah, il y a personne autour, donc ça sert à rien. Allons par là. Hop, voilà. Au moins, c'est un peu fermé là. On est plus ou moins obligé de partir là où il y a du monde, si on peut dire. Ça c'est du 2D, ouais. Ah, un double crâne, attention. Et il va prendre les deux... Enfin, il a bloc, hein, donc je pense qu'il va prendre le sol. Ouais. L'armure qui passe, et une sonnette. On a beaucoup de sonnettes, hein, je dis pas. Sauf que... On a autant de sonnettes que lui, mais à côté, lui, ce qu'il a, c'est des blessures en plus, quoi. Ok, la goule qui part à l'attaque, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, il va peut-être faire une transmission ou s'en servir pour protéger, je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut faire. Ouais, il veut s'en servir pour protéger sûrement. Bah, eux, une fois de plus, c'est ça qui est triste avec les vampires, c'est que là, ça sert à rien de les relever. Ils sont complètement cernés. Et si je les relève, en plus, je prends des risques à cause des soifs de sang, quoi. Donc. Ça n'a vraiment aucun intérêt de faire ça. Tu vas être obligé de les laisser au sol à rien foutre pendant que ça lui immobilise deux joueurs jusqu'à ce qu'éventuellement il décide de se barrer. Oh là là. Allez, j'aime bien les vampires, mais faut avouer que quand ça part en couille, ça part vraiment en couille quoi. C'est pas pour de faux. Hein.
Allez, on va tenter une esquive. Ouais, même ça vaut pas quoi. C'est pas en plus, c'est pas du ratage, c'est du 1 quoi. On fait cache du 1. Donc là, on est sur un match, une fois de plus, où on fait que des 1 direct en première action. Voilà, donc à partir de là, bah. Il peut avancer case par case avec son squelette s'il veut, pas de problème. De toute façon, on fera que des 1. Là, il va nous cerner de partout, hein, il n'y a pas de. Il s'en tamponne de toute façon, il a les joueurs qu'il faut. J'ai l'impression que cette coupe, on va faire 3 matchs et puis après ça sera torché. On aura perdu nos vies et fini quoi. Premier match que des 1, deuxième match que des 1. Bon bah voilà. C'est fini. Merci, au revoir. On se revoit au prochain épisode. Allez hop, comme ça, tout le monde est par terre. Pas de jaloux. Et venez pas me dire que j'aurais pu relever avant, hein. C'était uniquement pour prendre des tatanes si je me relevais, quoi. De toute façon, j'aurais tout raté. Alors là, je pourrais mettre lui là et avoir un dé sur une momie. Ouais, ça vaudrait une esquive et un bloc à un dé. Ouais, pourquoi pas. Ou alors, j'esquive et puis je fais rien d'autre. Ouais, non, c'est pourri. Autant qu'à faire, on va essayer de taper. Hein. Allez hop. Voilà. Un. Pas un 2, hein. Un. Une sonnette. Voilà. Que des 1 toutes les actions. On connaît la chanson. On a déjà vécu ça. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, en même temps il pouvait rien faire, j'étais par terre donc. Je peux même plus tenter un bloc sur la momie quoi, c'est déprimant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez hop. De toute façon si je fais un 1 ça va être vite vu. Ok, très bien. Puis pour l'amour du sport, la soif de sang, bah écoute. On va blesser un serviteur en plus. Ou alors il va se buter. Voilà, hop. Nickel. 1-1 dès la première action. Ah non, on a fait une action avant de faire un 1. On a fait un 4 puis un 1. Autant pour moi. Ah non, on a fait 2-1 puisqu'on a fait une soif de sang plus un 1 derrière, plus un crâne. Donc ouais, on a réussi à faire 2-1 à la suite. Et c'est ouf, hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est un truc de taré. J'aurais forfait dès la première mi-temps, il y aurait le même score et j'aurais moins souffert. Oh là là. Putain, puis le chaos qui revient pas. On va prendre un tour de bâche et puis ça sera fini quoi. Enfin un tour de bâche. On va peut-être faire deux crânes, pas pouvoir relancer et mourir. Hein. Ça reste une possibilité. Le mec il a pris une serveuse, mais il a pas eu même pas un chaos. Il a rien eu quoi. Ah, c'est des matchs comme ça qui donnent envie de faire une pause à Blood Bowl. Hein. Franchement. Quel intérêt de perdre une heure à jouer ça, de vous montrer ça. Fin. Mes tours ont été tellement rapides que le match il a même pas fait 50 minutes quoi. Bon, est-ce que je laisse un... Allez, je vais laisser un mec derrière pour tenter une passe à XP, parce que pourquoi pas. J'ai même pas assez de monde. Il s'est écarté pour que j'ai même pas assez de monde pour avoir 2D, quoi. Donc ok, on va taper là, ensuite on aura 2D là, et puis on aura 2D là. On va faire ça. Allez, hop.
Allez, on va commencer par un bloc au vampire. Oh là là, dis donc, deux pots. Alors on se souviendra que dans le nombre de pots qu'on a, il y a cela de la fin de la partie. Si on repousse, pas de problème. On va poursuivre pour tenter un blitz après. Si on va taper comme ça, on repousse. Hop. Hop. Deuxième. On repousse. Hop. Hop. Là on blitz. Pousse. Parfait. Eh, on va pas dire, hein, c'est quand même une amélioration, hein, on fait pas des crânes. Allez, est-ce qu'on peut réussir cette action? Eh ben non. Un de plus, c'était un de plus, c'est la passe karaté quoi. Même ça, on peut pas arriver à se gratter une XP là-dessus. C'est impressionnant. Wouah! Bon, on fait un 4. Ça déconne pas. Donc il va devoir sacrifier. Bah, il va devoir sacrifier le zombie qu'on lui a offert en mourant. Putain! Ah, c'est un truc de fou! Les jets des. Ouais, bon, bah, ça pareil, hein, y a les jets d'armure et tout, donc ça n'a aucun intérêt vu le massacre que ça a été. 13 pots, 17 repoussés, enfin 17 bousculés, 15 double crâne, alors de mon côté. Voilà. Alors sachant qu'il y en a deux là qui sont les pots de la dernière mi-temps. Alors allez le massacre quoi. Voilà, ça met direct en perspective. Hein. Tous nos 6, ils sont passés sur les armures. Voilà. On a échoué toutes nos blessures, on a échoué toutes nos armures. La soif de sang, c'est pas si mal. Les esquives, c'était une catastrophe. Les mises de paquets, voilà, on est en dessous. Les sorties, réveil de chaos. Pff. Franchement, une fois de plus, c'était un match de merde. Et ben, j'espère que ça vous aura quand même plu de me faire voir souffrir. Il reste plus du coup que un match pour moi. Donc, on verra si j'arrive à aller plus loin ou si je perds ma dernière vie. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.